Et si la vente devait échouer, quelles conséquences pour l'Olympique lyonnais? Nous avons posé la question aujourd'hui à Pierre Rondeau, économiste du sport. Il est au micro d'Hugo Frances. La réputation qui sera envoyée mercredi si la vente venait à être annulée, c'est que le club est invendable, ou en tout cas que le club n'a pas réussi à trouver des investisseurs capables de racheter ses actifs, capables de racheter la marque, capables de racheter ses contrats, capables de racheter ses joueurs. Donc ça enverra un mauvais signal auprès des actionnaires, auprès des investisseurs, et on pourrait imaginer à ce que si la vente soit annulée dès mercredi et que dans la semaine ou dans le mois qui vient, l'OL retourne en bourse et son titre retourne en bourse, il soit totalement dévalué pour une simple affaire de réputation. Ça entacherait beaucoup la renommée de l'OL et donc sa santé économique particulière.